La Formule 1 génère plus de 45 milliards de téléspectateurs chaque année. C'est dire que ses pilotes sont les plus célèbres du monde. Et paradoxe, ce sont aussi les moins connus et les moins vus, protégés qu'ils sont par des kilomètres de barrières, par des dizaines d'attachés de presse et enfin d'énormes mobilhomes aux vitres particulièrement opaques. Pour le public, c'est évidemment une énorme frustration, d'autant plus que quand ils sont en piste, ils disparaissent entièrement dans leur monoplace et ne deviennent plus qu'un bout de casque disparaissant entièrement dans le cockpit. L'idée du kart à Bercy consistait d'abord à les montrer tous ensemble, chose qui ne se fait jamais sauf pour la séance photo de début d'année. Ensuite, de les faire évoluer sous les yeux du public où les premiers rangs peuvent pratiquement parler avec eux. Enfin, ils courent à bord de kartes, on les voit entièrement se battre avec les mains, avec les pieds, avec tout. L'idée était magique, avec un succès considérable, puisque chacune des soirées a reçu 14 000 spectateurs, on ne pouvait pas faire plus. En 1993, le grand duel attendu était la bagarre Prost-Senna. Prost avait fait une année sabbatique, il ne s'était plus rencontré depuis un an. Autant le dire, peu de gens y croyaient, et pourtant, il était là. C'est pour revivre un petit peu quand même ce bain de foule, mais qui est un bain de foule vraiment très, très sympathique. C'est presque un rendez-vous un petit peu avec mes fans, et ils sont nombreux ici, c'est vraiment super pour moi. C'était en 1993, à la fin de la saison, à Paris. Ce moment-là, 30 000 personnes s'en souviendront encore avec de gros battements de cœur. Philippe Streff et son entourage pouvaient avoir la larme à l'œil. 8 mois de travail épuisant pour en arriver là, à ce miracle, les 16 meilleurs pilotes du monde ensemble, à Bercy. Il y avait donc deux challenges. Pendant que Bercy devait construire une piste, Philippe Streff devait faire venir Senna. C'était facile ? Bien, j'ai eu la chance de débuter en Formule 1 avec Ayrton Senna, donc j'ai eu le privilège de courir avec lui pendant 4 ou 5 ans en Formule 1, 7 grands prix par an, ça crée des liens, et par amitié je dirais il est venu à cette première édition, et grâce au fait également qu'Alain Prost a cautionné cette première édition en répondant tout de suite présent, en me disant à Monaco, Grand Prix de Monaco 93, je serai là avec toi en décembre. En somme, ça veut dire que Senna avait dit « je viendrai si Prost vient ». Oui, Senna plusieurs fois entre le Grand Prix de Monaco 93 et décembre 93 m'a demandé « c'est vrai, Alain sera là ». J'ai dit « tout à fait, Alain m'a promis, il sera là, donc ça sera votre dernier duel ». En matière de télévision, il y avait aussi un challenge. Puisque de l'avis unanime, le spectacle de la Formule 1 avait fait un grand pas en avant grâce aux caméras embarquées, il fallait aussi gagner ce défi-là. 20 sur 20, la preuve. En 1993, les organisateurs avaient décidé de faire courir les pilotes par équipe de 3 par relais. La course faisait 60 tours, chacun devait théoriquement rouler 20 tours et passer le relais à son petit camarade. Seulement voilà, qu'arriverait-il si l'un des 3 pilotes de chaque équipe tombait en panne ou sortait de la piste sans pouvoir repartir? Là était l'astuce, chaque pilote avait son propre kart avec le même numéro que les deux autres. En cas d'arrêt imprévu de l'un, l'autre pouvait partir immédiatement des stands. Règle qui assurait que de toute façon, le public verrait tout le monde rouler. Dans chaque équipe se trouvaient des pilotes de F1 associés à d'autres pilotes de prestige. Au départ, c'est Lagorce qui fait équipe avec Hélary et Prost qui part en tête malgré de grandes glissades dues aux pneus froids. Derrière lui, on trouve le numéro 3, Sébastien Philippe.
le numéro 4, Pompidou, et le numéro 2, Jean-Christophe Bouillon. L'équipage numéro 3, Herbert Collard-Philippe, a donc tout de suite perdu sa pole position, décrochée pourtant après des essais chrono inoubliables. Partir en tête, c'est important, pour le moral d'abord, pour le résultat final aussi. Car à Bercy, pendant les courses de kart, les trajectoires sont tellement tendues qu'il y a bien peu de place pour dépasser. Et c'est aussi ce qui explique que pendant toute la course, on va se voir de très près. A noter un tic intéressant chez les pilotes de kart, dans les accélérations, en sortie de virage, ils donnent de grands élans des épaules et du bassin pour aider l'engin à prendre ses tours le plus vite possible. Les freinages sont importants, c'est là que Jean-Christophe Bouillon, équipage numéro 2, a pu gagner une place. L'équipage numéro 1, Lagorce et Larry Prost, est toujours en tête devant le numéro 3, Sébastien Philippe, Collard et Herbert. L'équipe numéro 2, celle de Senna, associée à Bouillon et Grouillard, est troisième. En tête, Franck Lagorce livre une lutte terrible pour passer le relais à Hilary en tant que leader. Lagorce perd la tête. Au passage d'ailleurs, il a eu droit à un petit coup de ponton. Alors que Prost ne quitte pas la piste des yeux, le dépassement en tête a permis à Jean-Christophe Bouillon de recoller aux deux autres. Il y a maintenant trois quarts en bagarre. Et puis, Philippe prend un peu d'avance, laissant Lagorce et Bouillon s'expliquer férocement pour la deuxième place. Ont été couverts par les premiers pilotes. Logiquement, c'est leur mi-course à eux. Logiquement, car encore une fois, s'ils ont un ennui, leur coéquipier peut prendre immédiatement le départ. Si cela arrive maintenant, le deuxième pilote devra en principe faire ses 20 tours, plus ceux que son petit camarade n'a pas fait. On commence à rattraper les attardés. Ici, le numéro 7, qui va prendre un tour de retard, c'est Éric Van de Poel. À sa décharge, il n'a jamais pratiqué le kart. Sébastien Philippe est passé sans problème et a pris le large. Lagorce et Bouillon ont plus de mal à passer. Du coup, Pompidou, numéro 4, les a recollés. Van de Poel finit par les laisser passer. Après tout, on est ici entre amis, presque entre gentlemen. Et dans le tumulte du dépassement, Bouillon se fait rentrer dedans et doit s'arrêter. Du stand de Senna, Grouillard s'élance. Mais évidemment, on a perdu un peu de temps. C'est Bellor, numéro 6, qui est venu en quatrième place.
Pompidou, numéro 4, prend la deuxième place. Belloc se fait jeter par la Gorse, qui repart à la poursuite du petit Pompidou. Dans le stand numéro 4, Gounon s'est mis au volant, il attend le retour de Pompidou. Stand numéro 1, Lagorce rentre après ses 20 tours et passe le relais à Éric Hélary. Passation de pouvoir parfaitement réussie. Le prochain à prendre le départ dans ce team se sera proche. L'histoire du dernier affrontement historique se met en place. Premier écueil devant Hélary, Van de Poel, toujours pas rentré. Stand numéro 4, rentrée de Pompidou, départ de Gounon. Gounon, dont le moins que l'on puisse dire est qu'il s'en occupe du volant. Démonstration. Stand numéro 3, Sébastien Philippe passe le relais à Emmanuel Collard. Attention, c'est un garçon qui a un coup de volant exceptionnel. Démonstration. Et puis, Emmanuel Collard a des ennuis. Départ immédiat de Johnny Herbert, qui du coup n'a pas trouvé son casque habituel et surtout n'a pas eu le temps d'enfiler ses gants. On va perdre du temps, le team numéro 3 va le payer cher. Il a déjà perdu la tête de la course. Alors, revenons de Jean. Hélary réussit à passer Van de Poel. Objectif, Gounon, qui passera tout à l'heure le relais à De Cesari. Chose étonnante. Tandis qu'Hélary part en chasse, derrière lui, Van de Poel a trouvé un liège. Et ses temps s'améliorent. Il apprend vite, notre ami Belge. De Van de Poel qui va libérer Olivier Panis. L'équipage est alors avant-dernier. Panis sort comme un fou, première bagarre avec Herbert. Panis, dont les pneus sont froids, n'est pas encore dans le rythme. Herbert le double magistralement. Bagarre en tête, Hélary a rejoint Gounon. Éric va se faire pressant, c'est le moins que l'on puisse dire. Il veut passer le relais à Prost en tant que leader. Gounon résiste formidablement. Intimidation, action. Rien à faire, Hélary rentre au stand, il va passer le relais à Alain Prost. Ce sont les 20 derniers tours et cela va être
très grand et même immense. En pneu totalement froid, Prost doit d'abord laisser passer Herbert, qui est en bagarre de folie avec Fanny. Le professeur reste cependant devant l'élève. Stand numéro 4, Gounon a passé le relais à deux Césaris. Ils sont en tête. Arrive alors l'infernal Herbert. Et derrière, voilà l'histoire. Senna a pris la piste. Combinaison blanche, carte blanc, casque aux couleurs du Brésil. Et le rêve devient réalité. Les hasards de la course, aujourd'hui on peut dire que c'est le destin, ont fait que Senna se retrouve en bagarre avec Prost. C'est la dernière fois qu'ils courent l'un contre l'autre. Prost a abandonné la F1 et bientôt, au mois de mai, la vie oubliera Senna. Dans la foule, c'est évidemment du délire. Senna est devant Prost. Et Alain attaque, parti. Concentré sur son attaque, Senna, il va laisser passer Panis. L'élève le plus doué de la relève française attaque Senna. Dans cette affaire, on va tellement vite que l'on rattrape de César. La jonction avec les cartes de tête, c'est maintenant. Dans l'ordre, on trouve donc De Césaris, Senna et Prost. Derrière Prost, il y a Dalmas pour l'équipage numéro 6. On est à 15 tours de la fin. Prost a recollé au peloton. Maintenant, c'est la victoire qui se joue. Pour remonter sur Senna, il faut d'abord que Prost arrive à passer Olivier Panis. C'est difficile, le jeune élève se défend extrêmement bien. Prost attaque partout. De toute façon, dans ces quatre voitures, on attaque absolument partout sur le circuit. C'est fait, Prost a réussi à passer Panis. Il est donc troisième. Dans Bercy, c'est un peu la légende qui entre. Maintenant, devant Prost, il y a Senna. Mais coup de théâtre, Senna doit s'arrêter, c'est dommage. Mais l'histoire n'est pas finie. Prost est deuxième, derrière De César. Alors que Senna rentre au stand, il y a trois cartes en bagarre, mais seulement deux pour la victoire. Panis, le numéro 7, n'est pas dans le même tour. Nouveau coup de théâtre de Césaris a tellement tiré sur la mécanique qu'elle rend l'arme. Prost, une fois de plus, a été à la hauteur de sa réputation. Il a géré la course et la mécanique. C'est comme cela qu'il a décroché quatre titres de champion du monde. C'est comme cela qu'il va gagner Bercy. Quand De Césaris s'est arrêté, Gounon a repris la piste pour le team numéro 4. C'est bien sûr l'avantage du système du relais. On peut se battre,
jusqu'au bout. Mais voilà, Prost est maintenant devant, seul et pratiquement vainqueur. Il reste seulement quelques tours pour aller au bout. Dernier regard qui font mal, alors que pour Alain Prost, ce sont les derniers tours. Nous repensons à ce vers de Gérard de Nerval, souvenir, souvenir, que me veux-tu ? Au nom de tous ceux qui vivent leur passion jusqu'au bout, j'aimerais dédier cette soirée à Ayrton Senna. L'an dernier, Ayrton était avec nous. Il était avec nous pour le plaisir et par passion. Cette passion qui nous permet de continuer, quoi qu'il arrive, même quand on perd un ami. Bonne soirée à tous. Sera donc hélas sans Senna, mais avec Michael Schumacher qui lui est venu sans problème. Philippe, sans problème, d'autant plus qu'il devait participer à la première édition. Malheureusement, il s'était blessé un mois avant. J'avais son accord et il n'a pas pu venir. Donc il s'est entraîné tout au long de l'année 94 pour cette seconde édition. Il s'entraîne depuis très longtemps, depuis l'âge de 5 ans, je crois. Son père a une piste de kart. Et il est venu vraiment pour gagner. Et il l'a prouvé et finalement... Et les autres alors, ils sont venus pour se marrer ? Non, pas du tout. Tout le monde s'est entraîné. Et en plus, on voit chaque pilote qui travaille vraiment précisément sur son kart parce que c'est vraiment hyper compétitif. Et pour des pilotes comme moi qui n'ont jamais fait de kart, qui ont commencé par la Formule 1 et puis faire du kart, c'est vraiment pas évident. Alors j'essaie de regarder un peu discrètement chez les autres comment c'est fait. Et puis on se prend en jeu et c'est vrai qu'on essaie de préparer ça convenablement. Je crois que l'esprit de compétition restera toujours quand il y aura confrontation avec n'importe quoi sur n'importe quel enjeu mécanique. Mais je crois que c'est quand même... on le prend sur un côté sympa, mais la course reste la course. Et puis, mais c'est quand même plus sympa qu'il y a moins de stress qu'en Formule 1.
La différence, c'est qu'on peut, côtoyer les pilotes de Formule 1 de très près, alors que sur les circuits, c'est quasiment impossible. On est au contact du public, ce qui est aussi impossible sur les circuits, ou quasiment pas. Donc c'est vraiment une occasion très sympa et il ne faut surtout pas manquer. Cette fois-ci, ils sont encore plus nombreux que l'année précédente. En fait, il manque seulement les pilotes Ferrari retenus par des obligations contractuelles. Sinon, le monde entier est là. La magie aussi, le miracle a lieu, une deuxième fois. Autre nouveauté 94, on courra seul. Le système du relais a été abandonné. Pour aller en finale, il faudra se qualifier et pour gagner, il faudra faire toute la course. Bien sûr, on risque de perdre en route des superstars. Ils en ont accepté le risque, l'organisation aussi. Bercy devient donc une course à part entière avec les mêmes règles que les autres. Quelques idées nouvelles encore. Les caméras embarquées multi-axes, c'est-à-dire vers l'avant ou vers l'arrière. Voilà ce qu'à Bercy on appelle vécu. La structure des courses a permis en 94 de donner l'importance qu'ils méritent aux pilotes de kart, ceux qui aujourd'hui se battent dans cette discipline. Il y a là, évidemment, la fine fleur du kart français. Le départ est lancé, avec dans l'ordre Talon, Lecomte et Terrien. Terrien, le numéro 100, a déjà pris la deuxième place. C'est évident, le champion du monde adorerait accrocher Bercy à son palmarès. Lecomte, numéro 110, est 3e. De Goutte, numéro 105, est 4e. Derrière, c'est la meute. 15 pilotes en piste, ça fait beaucoup de bruit, ça déplace beaucoup d'énergie et c'est un spectacle magnifique, très pur. Dans les coursives, plein gaz. Plein gaz et bataille d'enfer. Talon, numéro 109, est toujours leader. Et Lecomte ne va pas tarder à perdre la 3e place au bénéfice de De Goutte. Devant, les deux leaders, Talon et Terrien, dans un style très très pur, prennent un peu le large. Pour la 4e place, Sarrazin, numéro 101, menace sérieusement Lecomte. Attention, c'est très très chaud. Le
C'est fait. Un coup de ponton au passage et Sarrazin est quatrième. Mais maintenant, Isabelle Fleury, numéro 112, attaque. Bien, la jeune fille. Retour en tête, Terrien, numéro 100, vient de trouver la faille. En bout de ligne droite, à la réaccélération. Il est leader. Plus tard, le jeune Français, pourtant déjà champion du monde de kart, dira que cette victoire à Bercy, il en rêvait la nuit. Reste qu'il faut rester devant. Et l'agile talon va tout faire pour le faire fauter. Très, très chaud. Devant le compte, le numéro 110, le classement a changé. Devaux a passé Isabelle Fleury. Jolie lutte où la jeune pilote, numéro 112, n'a manifestement peur de rien. En plus, elle a du talent. Du coup, elle est bien placée. C'était juste un brin de douceur dans un monde, il faut bien le reconnaître, relativement brutal. Elle va même se permettre de passer Devaux. Elle est cinquième. Bravo jeune fille et retour devant. Ce sont les deux derniers tours. David Terrien, numéro 100, ne lâchera plus son destin. Il remporte formidablement cette finale de Bercy.
voilà peut-être, voilà même probablement ceux qui, dans quelques années, seront les pilotes français de Formule 1. À propos de Formule 1, la voilà. Pole position, Schumacher. Juste à côté de lui, Alain Prost. Et y aurait-il, une fois encore à Bercy, une sorte de parfum historique ? Départ arrêté, et ce sera bien la seule fois de la soirée que les pilotes auront été à l'arrêt. Schumacher, impérial, est parti devant Prost et second. Derrière, en bagarre, Hillary, numéro 14, Herbert, numéro 17, Verstappen, numéro 5. Barrichello, qui fermait la marche, réussit à passer Morbidelli. Retour en tête, Schumacher creuse un peu l'écart. Prost est toujours second devant Herbert, Verstappen, Hillary et Collard. Le ralenti en direct nous montre derrière Collard numéro 23, Lagorce, Jeanneret, Aiello et Pedro Lamy. Pas de changement dans les 4 premiers tours et au bout de 4 tours, le classement en temps réel comme en Formule 1. Une image symbolique. Prost est deuxième, assez loin derrière Schumacher. Et le professeur, cette fois-ci, a un mal fou à contenir ses fugueux poursuivants. 94 est donc, semble-t-il, l'année Schumacher. Mais qui sera le second ? Celui qui attaque maintenant Prost, c'est Johnny Herbert, avec son casque rouge. Derrière, explication, sacrée explication entre Verstappen et Collard. L'écart entre Schumacher et Prost est monté à plus de 4 secondes.
Décidément, que ce soit sur les pistes de Formule 1 ou à Bercy, en 1994, Schumacher n'a vraiment pas fait le détail. Le talent de ce pilote est absolument insensé. À 10 tours de l'arrivée, Collard, qui a passé Verstappen, est collé au basque de Johnny Herbert. Encore un talent à revendre. Et ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini parce que cette sorte de remue-ménage à trois va durer un certain temps. Et puis, non seulement Collard passe Herbert, mais il le laisse un peu sur place. Le jeune pilote réalise son rêve, rouler avec Alain Prost. Plus tard, bien plus tard, après l'arrivée, il dira qu'il a eu, à plusieurs reprises, la sensation de pouvoir passer. Mais il n'a pas osé. Pas forcément facile de doubler la légende. Pour Herbert, c'est terminé. Pour la deuxième place, il n'y a plus que deux pilotes. Prost et Collard, donc Prost ou Collard. Cinq tours, Collard n'a toujours pas osé. En revanche, il est totalement dans les roues de Prost. Mais que faire? L'intimidation. Mais est-ce qu'on intimide Alain Prost? C'est raté. Quatre tours. Collard n'a toujours pas osé. Il va donc essayer d'y aller en force. Mais est-ce que l'on force Alain Prost? C'est encore raté. Trois tours. Collard décide de modifier un peu ses trajectoires. Mais peut-on trouver de meilleures trajectoires qu'Alain Prost? Pas forcément. Et c'est encore raté. Deux tours. La bagarre devient totale et Collard ne trouve toujours pas la fameuse faille. Dernier tour, c'est maintenant ou jamais. Est-ce que c'est là? C'est pas là. Alors ici? Pas ici non plus. On réessaye? C'est toujours pas maintenant. Victoire de Michael Schumacher, leader du premier au dernier tour. Et derrière, c'est fait. Collard a osé dans le dernier virage. Il est second et c'est l'un des plus beaux jours de sa vie. C'était en 1993, c'était en 1994, c'était à Bercy, c'était immense, c'était planétaire, c'était éternel.
Bon, Alain, je vous ai demandé tout à l'heure d'être sur le podium, vous y êtes. Il n'y a pas de problème, contrat rempli, la course. Ah, la course difficile, mais enfin je suis encore très jeune, donc j'ai tout le temps devant moi. Pas de problème. L'ambiance ? L'ambiance, eh bien, c'est pour ça que je suis venu cette année, pour revivre ça au moins une fois encore. Michael, what do you think of this day? Qu'est-ce que vous pensez de la journée? As I said already yesterday, it has been a great day. I promised you a good show. I think we did a good show over the whole weekend. And for me, it's just something special to come back to go-karting. And I want to thank Philip Strive, who organized all this for us. And we had the possibility to drive under high competition level. And I enjoyed very much to race in front of this public. Je suis venu. On avait promis du show. On avait promis du show, on vous l'a donné. On avait promis de donner le meilleur de nous-mêmes, je crois qu'on vous l'a donné. Je voudrais simplement remercier Philippe Strève d'avoir organisé cette formidable journée et remercier le public de nous avoir accueillis comme ça. Michael Schumacher. J'imagine qu'à partir de maintenant... Thank you.